Une ligne à grande vitesse au Maroc, symbole pour le roi Mohamed VI de la modernisation de son pays. Le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement pour sceller l'aboutissement de ce projet franco-marocain. La ligne Al-Borak permettra de relier Casablanca et Tanger, les deux pôles économiques du Maroc, en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. Alstom a fourni 12 rames pouvant accueillir 533 passagers et les premiers billets devaient être mis en vente dès ce jeudi soir. Nombre d'usagers auraient préféré la rénovation d'un réseau vieillissant à ce projet de 2 milliards d'euros, mais les autorités espèrent en faire une vitrine pour les investisseurs. La ligne Casablanca-Tanger court sur 350 km et a notamment nécessité la construction de 12 viaducs et de 169 ponts-routes ou ponts-rails.